Vodafone fête ses 6 ans. Pour toute nouvelle souscription de forfait Prestige avant le 5 août, 40 gigas offerts. Vodafone à Fainéiné. Bonjour les amis, c'est Marama Vahiroua. Aujourd'hui, on est à Mouria, on part à la rencontre du directeur du golf de Mouria, Grégory Leric. Go! Bienvenue au golf de Montréal. Là, on est sur le trou numéro 7. C'est le trou signature du golf. C'est un des plus beaux trous du parcours. C'est un parcours qui a été dessiné par Jacques Nicklaus. Donc, on a une vraie renommée ici en Polynésie grâce à cette signature. Ici, on a un golf qui plaît énormément à la clientèle locale de Montréal, même de Tahiti, puisque chaque week-end, on a beaucoup de golfeurs du golf d'Atimaono qui viennent jouer chez nous. Et c'est un parcours qui plaît énormément aussi aux touristes, puisque ici, on a sur l'ensemble de notre clientèle étrangère, 65% d'Américains. Ils viennent prendre des renseignements, ils voient la structure, ils voient les clubs qu'on leur prête. Donc, on arrive à avoir un excellent mélange entre les locaux et les touristes. Sur le golf de Montréal, on a une vingtaine d'employés. La moitié des employés travaillent sur le terrain essentiellement et le reste des employés pour le restaurant et le bar, la cuisine du golf. Et on est ouvert pour le golf 7 jours sur 7, donc voilà, faut travailler tous les jours et c'est pour ça qu'on a une vingtaine d'employés. Sur la région nantaise. J'ai commencé dans le golf il y a une vingtaine d'années et ensuite, juste avant d'arriver ici, j'étais directeur du golf d'Avrier sur la région d'Angers. On a parlé en famille avec mon épouse, avec les enfants, pour savoir si on pouvait tenter le pas et de quitter la métropole pour venir s'installer en Polynésie. Aujourd'hui, pour aucun des deux, il est question de rentrer. Ils sont très bien intégrés à l'école, ça se passe très très bien avec le football, avec l'école de golf. Ils sont vraiment très très bien ici et bien installés. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Greg de nous avoir accueillis sur son golf. Merci également à Arimiti de nous avoir permis d'aller jusqu'à Montréal. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouvel épisode.